On va se gêner. Pardon, je ris parce que... Vous allez comprendre pourquoi je ris. Bienvenue dans On a tout essayé ce soir. Jean-Luc Lemoine. Ouais. Isabelle Alonso. Ouais. Sylvie Boulet. Ouais. Perry Cochin. Ouais. Isabelle Motreau. Ouais. Et est-ce qu'on peut remettre sa caricature? Jean-Benguigui. Ouais. Je vous sens un peu déçu. Oui, quand même. Enfin, ça n'a pas aucune importance. Bon, alors, c'est Pierre Bénichoux qui est là. Allez. Ça, Jean-Luc? Oui, remarquablement bien. Parfait. En plus, je suis content, j'ai Isabelle à côté. Si je renverse quelque chose, hop, tout de suite, je peux essuyer avec sa serpillère. Oui, parce qu'elle a une sorte d'éponge sur elle. C'est vrai, ça? Mais est-ce que tous les jours, à chaque fois que je viens, vous allez faire des réflexions sur mes... Tout dépend de toi, en fait. Hein. Si tu continues comme ça, oui, on va faire. Vous savez qu'il y a des lessives qui font pour pas que ça bouloche. Mais oui, non, mais ça, c'est beau. Oh, bah, chez vous aussi, ça a bouloché. Non, c'est des écailles. Des écailles. Comme du poisson. C'est pas vendredi, non, pourtant. Tu peux nous dire ce que tu nous as dit dans les loges. Oh, t'es pas oui, sympa, en fait, Péri. On dirait des plumes. Ça fait un peu un pull de poule. Vas-y. Pierre, il est temps de passer à l'actualité, vous êtes d'accord? La photo du jour, eh bien, c'est celle qui a encore obtenu 2 sets d'or cette semaine, vous savez, de la part des téléspectateurs, et qui sort aujourd'hui son nouveau film, regardez, Mimi Matrix. Oh. Non, parce qu'on parle toujours... C'est pourquoi... Alors, je vous explique. Pourquoi j'ai mis Mimimati... On parle toujours de Matrix, le héros. Enfin, je sais pas qui c'est d'ailleurs, Matrix. Néo. Voilà. Mais on parle jamais de l'héroïne du film. Il y a quand même une héroïne aussi oui. Là-dedans. Hein, Isabelle? Oui, absolument. Parce que comment voulez-vous que le film se reproduise? Autrement, il y a eu le 1, le 2 et le 3. On a Matrix. Hein, faut bien qu'il y ait aussi Tachax. Oh. Non. S'il y a Matrix et il n'y a pas Tachax, comment voulez-vous qu'on fasse Je me disais, est-ce qu'il va oser? Non seulement il a osé, mais il l'a refait une deuxième fois. Oui, oui. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Pour vous, Perry. En tout cas, ils sont forts, les Américains, pour les effets spéciaux. Ça, il y en a quand même, hein, dans Matrix. C'est vrai, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un film français avec autant de trucage depuis, je sais pas moi... La soupe aux choux, peut-être. Allez, on change de sujet. Une autre photo, celle du mariage Arlette Laguiller et Olivier Besancenot, un mariage politique. On vous a déjà montré cette photo, mais il faut quand même le dire, c'est un mariage qui fait bondir toute la gauche traditionnelle qui ne s'attendait pas à une union ainsi entre un facteur et une télégraphiste. Il paraît que Besancenot a tellement d'influence à la poste maintenant, le nouveau timbre avec la Marianne, ce sera ça. Ah. Ah. En même temps, écoutez, on comprend quand même que l'extrême gauche se rassemble pour être plus forte. Parce que quand on voit ce qu'est devenu la gauche traditionnelle, et j'ai un exemple ce matin, regardez la une de Libération. Libé fait sa une sur le départ du couturier Tom Ford de chez Gucci. Comme dirait le grand philosophe Jacques Chirac, ce genre d'info, ça me touche une réserve ADN sans faire bouger l'autre, moi, voyez. Franchement... Ça intéresse pas beaucoup les lecteurs de gauche de Libération, non, ça croyez-moi. Ça doit être pour ça que Libération, en tout cas, a baissé son prix ce matin à 1 euro. Serge Julie l'explique dans le journal, mais en continuant comme ça, moi je dis que même gratuit, je suis pas sûr qu'ils augmenteront leurs ventes. Regardez la confraternité du responsable de l'Obs qui dit « Oh putain !» Non, mais c'est vrai que quand Libération fait des titres trop politiques, on dit « Mon Dieu, qui s'intéresse ? La politique, politicienne, tout ça. » Là, ils font un petit peu... Ils ont voulu faire gay, quoi. On leur demande pas de faire des titres trop politiques. Ils font simplement des titres qui concernent personne. Je veux dire, Tom Ford qui quitte Gucci, ça vous intéresse, vous? Stevie, ça le passionne, sauf qu'il lit pas Libé. Bon. Voilà. Bah, un euro aujourd'hui, si vous voulez en savoir plus. Je n'achète pas, je lis que le Figaro. Ouais, j'aime bien Figaro. Enfin, chacun ses opinions. C'est pourquoi, parce que c'est écrit gros, ou bien... Non, là, c'est quand même intéressant, je trouve. Je sais pas. De quoi? Bah, que Tom Ford... Enfin, et voilà qui ça intéresse. Voilà. Votre pull vert, Isabelle, c'est toujours chez Gucci. Ah,
ça pour ça. Allez, une autre photo. Pardon, pardon Isabelle, vous êtes tellement, vous savez. Ben oui. Mais sans pull, bon. Une autre photo, celle des fameux radars automatiques qui continuent à provoquer la polémique. En effet, certains radars auraient déjà été endommagés par des automobilistes qui auraient donné des coups de pied dedans parce que la photo sortait pas tout de suite. C'est vrai, ça faudrait savoir. C'est automatique ou ça ne l'est pas? Au prix qu'on paye le PV quand ils pourraient nous fournir la photo tout de suite. Mais est-ce qu'ils sont tous équipés d'un appareil à l'intérieur? Non, pas parce qu'en Angleterre... Mais non, oui. C'est des boîtes aux lettres. Non. Oh, non. Mais t'es pas au courant, ouais, là. Non, mais tu n'es pas au courant. Vous avez un trou pour 75, un trou pour la province, un trou pour l'étranger, tu et un trou pour pas... fermer votre gueule. Non. Non, je ne la fermerai pas. En Angleterre. Elle va la fermer, crois-moi. Un radar sur deux n'est pas équipé d'appareil à l'intérieur. Pour faire croire que... Absolument. Eh oui, elle voyage beaucoup. Oui. Allez, on reste dans le domaine de la circulation. Avec différentes organisations écologiques, c'était dans François ce matin, qui ont décidé de lutter contre les 4x4, disent-ils inutiles en ville, qui cumulent les tares et qui sont gros pollueurs. C'est exactement la description d'André Santini, en tout cas c'est ce que Jean-François Copé nous a dit. Je suis d'accord. Vous êtes contre les 4x4? En ville, oui. Non, ah, c'est vrai que c'est grotesque, des gens qui vont entre Notre-Dame et Neuilly. Avec un pare-buffle. Ont... On rencontre beaucoup de buffles rue de Rivoli, comme chacun sait, ils ont des pare-buffles. Mais peut-être que le buffle est à l'intérieur de la voiture. Ah, il y a des coups. Et puis c'est M. Delanoé qui a fait des couloirs de buffles dans tout Paris. Attention, une première, le week-end prochain, la fête des frères et des sœurs. Ouais, ça s'invente pas, c'est nouveau, après la fête des pères, après la fête des mères, la fête des grands-mères, samedi et dimanche prochain, ce sera nouveau, ça vient de sortir, ce sera la fête des frères et des sœurs. C'est incroyable, quoi. On avait déjà la fête des tantes avec la Gay Pride. La fête des beaufs avec le Beaujolais nouveau. Et bien, heureusement qu'on n'a pas la fête des cons, parce que ce serait tous les jours, hein. Faut tout ghettoiser, faut tout, mais j'en peux plus, moi, franchement. Vous savez qui est la marraine? Oui, de je sais. Ah, c'est très bien. Mireille Mathieu. Laurence Ferrari. Ah bon. Laurence parce Ferrari, c'est... Ah non, elle non, a des frères que... et sœurs. Non, vous confondez avec Lolo Ferrari. Oui. C'est pas elle. Alors bon, il faut quand même le dire, il y a un côté social derrière, c'est en fait pour faire passer le message auprès des... Je t'en fous, il y a un côté pour faire dépenser de l'argent aux gens pour acheter des cadeaux. Oui. C'est tout, mais c'est grotesque ce genre de fête. Dites-vous bien que vous faites estamper, il faut faire des cadeaux quand on en a envie. Non, mais c'est et quand pas même... faire la fête des mères, la fête des pères. Il faut quand même le dire. Il y a un petit truc social derrière, c'est que c'est pour que les enfants qui vont à la DAS ou ailleurs ne soient pas séparés, les frères et sœurs. Voilà, c'est ça le petit message qu'il y a derrière. Bon, ah bon, voilà. Si c'est ça, évidemment, on ne peut rien la dire. La cohésion familiale. C'est au profit de SOS Village Enfants. Voilà. Ça, c'est très l'association bien. L'association d'Annie Dupéré. Il faut quand même ah le bon, dire. Non, ça, c'est très on déconne plus maintenant. Vous avez des frères et sœurs, Pierre? Moi, j'ai une sœur, oui. Une sœur, ben voilà, ça vaut le coup. Aujourd'hui, vous allez lui téléphoner, hein, ce soir, en rentrant. J'ai pas besoin de ça pour lui téléphoner, je lui téléphone deux fois par jour, quoi qu'il arrive. Je la plains, attendez, dis donc. Deux fois par jour? Je la plains. Vous appelez votre sœur deux fois par jour? Oui, oui, oui. Oh là là, alors Pierre comme frère, c'est pas un cadeau quand même, hein. Ça doit pas être facile. Ah, je suis pas d'accord avec toi, je suis sûre que ça doit être un très bon frère. Elle est assez contente de m'avoir comme frère. Il faut dire qu'elle est un peu plus... D'abord, elle est blonde, et PAN. Vous imaginez le mec qui est orphelin, il peut pas fêter la fête des pères, des mères, qui a pas de frères et sœurs, pas la fête des frères et des sœurs, qui est célibataire, pas la Saint-Valentin, le mec il est dépressif à la fin de l'année. Il y a la Toussaint. On pourrait pas faire une fête de la Smala, comme ça on ferait tout d'un coup et puis ça serait, on serait tranquille. On termine par un scoop du magazine Gala. Regardez bien cette photo. Ouh, et lisez le commentaire. Je n'invente pas. Maureen Dore, enceinte de son deuxième enfant avec le chroniqueur Pierre Bénichoux. Alors là... Alors là, moi, je dis... Et il touche l'enfant. Ah oui, en plus, vous touchez son ventre. Oui, oui, oui. Non, je touche son ventre parce qu'il y a des gens qui voulaient lui prendre son enfant. J'ai dit non, moi vivant, on ne prend pas ça. Cela dit, je vais faire un procès à Gala, non pas qu'il me photographie. Parce qu'il vous traite de chroniqueur. Il me chroniqueur.
Il paraît qu'en Belgique, on vous appelle le bénichou de Bruxelles maintenant. Mais vous êtes vraiment ensemble, Pierre? Dites-nous, parce qu'on veut savoir. C'est un rapide, Pierre, c'est un rapide. Pas moi, rien qui me regarde, j'ai les bas qui filent. Lundi dernier, Henri Plagnol, le ministre de la Réforme de l'État, a présenté à Orléans la charte Marianne. Mais qu'est-ce que c'est la charte Marianne? C'est un texte adopté par tous les ministères, un texte qui a pour objectif d'améliorer l'accueil des usagers dans les administrations. 5 engagements prioritaires y figurent. Un accès plus facile aux services et notamment aux handicapés. Un accueil attentif et courtois. Une réponse compréhensible aux demandes des usagers. Une réponse qui se doit aussi d'être systématique dans les plus brefs délai et enfin, être à l'écoute des gens qui font la queue depuis 2 heures. Dan Bolander, qui a l'habitude d'être mal reçu, mais il faut dire que lui, il le mérite souvent, a testé pour nous évaluer l'accueil des fonctionnaires. On en parle tout de suite après. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, je suis Dan Bolander, j'ai testé évaluer l'accueil des fonctionnaires. Dites bonjour. Bonjour. Un peu mieux faire. Bonjour. C'est pas gagné. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est pour envoyer ce poste de radio par colis. Il faudrait que ça parte ce soir, en fait. Oui, oui, bien sûr. Et puis que ça arrive demain à Manchester. Hein. Demain à Manchester. Voilà. C'est long, hein. Pouvez-vous dépêcher, monsieur, parce que... Je peux pas aller plus vite que la musique, hein. Vous me demandez un service et laissez-moi le temps de trouver. Voilà, attendez, ça arrive à quelle heure, en fait? Parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je suis là, vous voyez. Écoutez, soyez cool, soyez zen. Vous voyez où, là, hein? Ben, à la poste. Oui, tout à fait. Ça arrive avant 8h demain matin. Ça arrive demain, mais je ne suis pas, monsieur, dans le secret des dieux pour vous dire qu'en Angleterre, ça va être distribué à 8h, 8h05, 8h15. Alors, attendez, envoyons-le à Marrakech. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est l'Angleterre ou c'est Marrakech? Ça fait 20 minutes, monsieur, que nous sommes là. Bien sûr, vous êtes impoli. Je trouve déjà que c'est très, très, très mal de venir avec un chronomètre, de chronométrer le train. Ça veut dire quoi, ça? Bon, attendez, je me présente. Alors, je suis inspecteur général de l'administration. Oui. Donc, nous sommes là, en fait, pour vérifier l'accueil. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faudrait être un peu plus aimable avec la clientèle. Vous pouvez me dire que je suis mal élevé, que je ne suis pas du tout aimable, c'est faux. Bon, de toute façon, tout sera noté dans le rapport. Hein. Mais non, mais faites comme vous le souhaitez, monsieur. Je ne suis pas sûr de vous mettre la moyenne. Quand vous mettez une moyenne ou pas, monsieur, je vous dis honnêtement, pour moi, ça ne change absolument rien. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Maroc Bah, ça dépend. Manchester, c'est combien? Comment ça se fait que c'est si long, monsieur? De quoi? Les renseignements? Bah oui, ça fait déjà 10 minutes que mais je suis là. Monsieur, vous me posez des questions, je vous réponds. Hein. Bah oui, mais... Et puis je veux pas rester trop longtemps avec vous, parce qu'il y a des gens attendent derrière. Hein. Bah, monsieur, c'est quand même mon colis. Moi, hein. Vous me donnez des renseignements, je vous les donne, point barre. Bah oui, mais okay. Ça fait 10 minutes que je suis là. Monsieur, je vous donne votre truc, vous allez voir mes collègues, puisque moi, c'est bon. Vous ne m'avez pas renseigné, et mon colis n'est pas parti. Moi, je suis gentil, mais je suis pas idiot, d'accord? Non, mais ça fait quand même 12 minutes. Un peu plus, même. Je vous souhaite une bonne journée. Non, attendez, monsieur. Monsieur? Non. Monsieur, vous êtes mal noté, monsieur. Bon, bah écoutez, vous lui dites que je suis inspecteur auprès de l'administration publique et je suis là pour noter les fonctionnaires par rapport à l'accueil et que là, vous voyez, il a pris 10 minutes pour me renseigner. Oh, il a passé pas vrai, il vous a renseigné tout de suite. Il a été très patient, monsieur. Oui, mais un peu long. Vous étiez un peu tordu aussi. Oui, mais c'est mon métier. Hein. Oui, mais faut le faire sainement. Faut pas faire partir un poste radio à Kinshasa, le faire remonter à Manchester pour réatterrir à Marrakech. Ils sont même pas capables de l'envoyer. Vous prenez l'avion, vous l'emmenez, puis ça trahira plus vite. Hein. Dan Bolander. Je vous vois bien, vous. J'imagine Pierre Bénichou derrière un guichet. Moi, au contraire, à l'accueil. Très gentil. À l'accueil. Alors, vous voulez que je vous dise une chose? C'est que c'est impossible de contenter tout le monde quand on est derrière un guichet. Non pas que j'y sois souvent, mais enfin, je vois les gens. Parce qu'il y a des gens, nous, qui sommes pressés, en activité, tout ça, on voudrait que ça aille très vite. Mais il y a des tas de gens qui ne veulent pas que ça aille vite. Qui voudrait qu'on leur parle, qu'on leur dise « Ah, vous envoyez un poste de radio à Kinshasa, votre mari, votre fils a épousé une Africaine, et qu'il puisse parler, et qu'il puisse dire comme ça. » Donc, c'est un lieu convivial aussi, pour le plus en plus de nos aînés, dont je fais partie. Moi, quand je vais à la poste, je veux que ça dure 1h15. Mais en général, on est plutôt bien accueilli si on est soi-même aimable. Pas toujours. Pas oh toujours. Non. Ah oh non, 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 non. Ah non. La dernière, cet été, je suis parti aux Assédiques pour parce que moi, en juillet-août, j'ai pas de salaire. Il faut quand même que je vive. Et je suis parti. Mais non, mais ça... Arrête, tu vas nous faire pleurer. Mais non. Mais non, mais j'ai une comptable. Il est là, le trou de la sécurité. Non, c'est pas vrai.
pas vrai. Ça alors. Maintenant, on comprend à Iago et les intermittents du spectacle. Le non, voilà le trou. J'ai une comptable qui me fait dire. Ah, vous auriez mieux fait de vous taire. Hein. Non, monsieur, alors, Célier, non. Monsieur le baron. Nous avons ici un individu. Attends, mais oui, tais-toi, toi. Moi, le dimanche, je vais à la soupe populaire parce que je travaille pas. Laurent. Vous n'arriverez pas à nous convaincre, on n'est pas d'accord. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes stupide et que vous n'arriverez à rien. Parce que mais non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais oui, bah, où où ça s'élire. Non, mais dans notre milieu de l'argent, on en gagne beaucoup, mais il y a un jour où tout s'arrête, il faut en mettre de côté pour les années à venir. Parce qu'on va pas. Moi, je dis ça aussi. Tous les paroles, tous les jours, parce que pour l'instant, on est peut-être sur France 2, mais dans 3 ans, on sera peut-être aux oubliettes. Moi, comme vous, dans 3 ans, je serai peut-être au chômage dans 4 ans, mais j'attendrai dans 4 ans pour aller aux ACDIC. En tout cas, j'y vais pas pendant. Mais de toute façon, je ne peux pas gagner. Non, mais. Je pense, Stevie, et je vous aime bien. Je pense, Stevie, et je vous aime bien, mais je pense que c'est honteux pour les gens qui faisons notre métier, qui gagnons ce qu'on gagne, d'aller aux ACDIC les mois où nous ne travaillons pas. Et je confirme ce que je pense. Non, mais alors, attends, Laurent, ça marche pas comme ça. Il sera toujours temps d'y aller. Non, ça marche pas comme ça. C'est que t'as des jours de carence et que tu peux pas gagner parce que c'est multiplié avec ton. Vous n'arriverez pas à me convaincre. Non, mais vous comprenez pas. Bah, écoutez, mais non, mais personne ne pourra vous convaincre. Mais non, c'est honteux de faire ça. Enfin, on n'a pas le droit. C'est pas honteux, je suis désolé. Il y a des droits et chacun applique ses droits. En tout cas, je vous dis, on comprend mieux pourquoi vous avez été mal accueilli par la fille des ACDIC. Ça me paraît logique. Vous voyez, elle a autre chose à foutre que de s'occuper du chômage de Stevie. Attendez, on attaque Stevie, moi je le défends. Si son comptable lui a dit de le faire, bah, il le fait, pour un bar, et puis c'est tout. Oh, mais quand on a un comptable, déjà, on va pas aux ACDIC. Bon, je crois que ça suffit maintenant. Je suis pour une charte dans cette émission pour un meilleur accueil de Stevie. Ça va bien. Allez, et on en parlera après. D'autant qu'on a un client qui attend. Alors lui, il va dire qu'est-ce que je suis mal accueilli, on a tout essayé. Ça fait 10 minutes que j'attends. Accueillons tout de suite le directeur de l'association France Qualité Publique. Voici monsieur Bertrand de Quatre Barbes. Merci de votre accueil. Excusez-nous, le débat a commencé avant que vous n'arriviez ici, comprenez? Oui, apparemment, il n'y a pas que dans le secteur public où on attend. Alors vous, est-ce que vous êtes content de ce qui a été décidé lundi? Eh bien moi, je pense que ça peut apporter notamment pour les agents. Parce qu'il y a des agents qui sont peut-être dans des conditions relativement favorables. Et puis il y en a beaucoup qui se trouvent entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire entre des exigences évolutives, entre des populations parfois pas faciles, et puis une organisation, un système parfois lourd, parfois pas adapté. Et eux, ils sont au milieu. Et boum, ils se prennent les choses, et c'est assez dur pour eux. Et donc je pense que là, si le gouvernement, et notamment M. Plagnol, mais aussi le Premier ministre, s'engage pour améliorer l'accueil, eh bien, on a tous à y gagner. Jean-Luc Lemoine. Moi, je suis comme tout le monde, quand je vais à la Sécu, je pose des RTT. parce que ça prend du temps. Donc ce que je trouve dommage, c'est déjà qu'on fasse cet effet d'annonce avant d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires, ça aiderait peut-être à l'accueil. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il manque des choses dans la charte. J'aurais des points plus précis, plus concrets, comme par exemple, quand on arrive au guichet 5, après 2 heures d'attente, on a pas le droit de fermer le guichet 5 en disant qu'il faut aller faire la queue au guichet 3, des choses comme ça. Ça, c'est important. Et ce que je trouve idiot, c'est d'appeler ça la charte Marianne. Est-ce que vous n'avez pas peur que des fonctionnaires restent désagréables simplement et qu'on leur demande pourquoi, ils vont dire « c'est mon choix ». Que c'est une bonne idée, mais est-ce qu'ils vont vraiment respecter les règles de la charte? Parce que c'est facile de signer une charte, mais appliquer les règles, c'est une autre histoire. Ah, alors, absolument. Ce qui se passe, comme dans l'ensemble du secteur des services, c'est que derrière cette charte, qui est pour l'instant qui est un engagement volontaire, progressivement, on va rendre le dispositif certifiable. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir un ensemble de contrôles qui vont être mis en place, appel mystère téléphonique pour bien vérifier que les gens disent bien, et puis progressivement arriver à une certification. Moi, si j'étais derrière un guichet et que je vous écoutais, moi j'en pourrais plus. J'ai con.
comprend parfois les fonctionnaires. Il faut un temps d'adaptation quand même, parce que si vous arrivez à la sécu et qu'il y a un fonctionnaire qui vous sourit, on va croire qu'il se fout de ta gueule. Non mais c'est vrai, il faut s'adapter. Allez, un dernier mot, tout dernier mot, Isabelle. Peut-être arriver en souriant, tu sais, le sourire c'est la vaseline du quotidien, tu vois, t'arrives en souriant, on te sourit. Tu t'y connais en vaseline, hein. Oui, oui. Alors, juste une question pratique. La dernière. Ouais. Sur la charte, si j'ai bien compris, c'est marqué en caractère gras, ce qui est absolument obligatoire à appliquer par chaque fonctionnaire, puis en caractère normaux, ce qui n'est pas obligatoire. Paragraphe 2, un accueil attentif et courtois. Obligatoirement, nous vous donnons le nom de votre interlocuteur, très bien. Obligatoirement, nous vous écoutons avec attention et nous efforçons de vous informer dans des termes simples et compréhensibles. Ça, c'est pour ce qui est obligatoire. On arrive maintenant au premier chapitre qui n'est pas obligatoire. Écoutez bien. Nous vous demandons uniquement les documents indispensables au traitement de votre dossier. Ça, ils ne sont pas obligés. Donc, ils peuvent vous demander ce qu'ils veulent. Pour un permis de conduire, un certificat de vaccination, pour faire chier un petit peu, ça veut dire quoi ? Je soutiens tout à fait ce que vous dites. Et je pense qu'ensemble, on peut, en travaillant avec les fonctionnaires en question, dire, attendez, là, c'est gentil, votre... C'est idiot. Il faut aller plus loin. Une des forces de cette charte, c'est qu'elle est adaptable en fonction des différents métiers, c'est-à-dire que les gens peuvent ajouter des choses s'ils le souhaitent. D'autre part, elle est évolutive dans le temps, c'est-à-dire que si dans un an, deux ans, on a à peu près calé des processus de base, on va pouvoir aller plus loin et faire plus fort. Et puis d'autre part, le dernier principe, c'est qu'elle est ouverte pour l'instant, elle est pour l'État, et nous, on souhaite qu'elle puisse aussi être ouverte aux collectivités locales, aux autres services publics, mais tout le monde est associé à essayer de pousser le bouchon. Pardon, plus parce loin. Qu'il y a d'autres clients qui attendent derrière. On va vous remercier, monsieur Bertrand de Quatre Barbes. Au revoir. Jusqu'au mois de décembre, Enrico Macias sera en tournée dans toute la France. Enrico passera d'ailleurs à Paris au Zénith le 15 novembre prochain. Et si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des places pour le Zénith, eh bien, vous pourrez toujours acheter son double album live ainsi que le DVD pour avoir des images. Enrico Macias à l'Olympia, c'était en 2003, cette année. L'album DVD sera disponible le 17 novembre, dans quelques jours. Enrico a fêté cette année ses 40 ans de mariage et de carrière sur scène. Nous sommes très heureux de l'accueillir une nouvelle fois dans On a tout essayé. Voici Enrico Macias. Bonjour Enrico. Cet album live d'Enrico, bientôt disponible, est en fait le prolongement logique de ce magnifique album que vous étiez venu nous présenter. Il y a combien de temps il est sorti celui-là alors ? Il y a quelques mois. Quelques mois. Qui évidemment après vous a fait triompher sur scène avec ses nouvelles chansons. Plutôt à l'Olympia. Plus acoustique et en tournée à travers la France. Hein. Ouais, il y a eu un festival aussi, je crois, l'été dernier aux Vieilles Charrues. Vieilles Charrues et tout ça, c'est vraiment... Rentrer dans cet univers, pour moi, c'est même pas en rêve, j'aurais pensé. Même pas en rêve. Et ben moi, en image que je l'ai, Enrico, à l'Olympia. Et vous pourrez avoir ces images-là aussi sur le DVD qui sort tout bientôt, ainsi que le CD, évidemment, Enrico, live à l'Olympia. Regardez les images. Si l'on pouvait un jour faire parler ces oliviers qui s'accrochent à leur terre, fiers d'être là. Plusieurs fois sans tenir, je sais qu'il nous dirait comment gagner la paix. Si j'ai le mal d'un pays aujourd'hui, c'est de celui dont nous parlent les livres, de cette époque où il faisait bon vivre. Que sont devenues mes Andalousies? Que sont devenues nos Andalousies? Enrico, le 15 novembre au Zénith. À Paris, évidemment, parce que les Zéniths. Ah oui, il y en a beaucoup de Zéniths. Et c'est même New York l'année prochaine, j'ai vu. Oui. Carnegie Hall. Je reviens au Carnegie Hall. Depuis mon premier passage en 68, j'ai chanté un peu partout aux États-Unis. À New York, j'ai fait presque toutes les salles. Broadway, le Madison Square Garden, le Beacon Theater. Et puis, je me suis installé pendant un mois à Broadway. Et maintenant, je reviens au Carnegie Hall avec beaucoup de plaisir parce que c'était mon premier contact avec les États-Unis. Mais alors, Pierre, vous y ajoutez ? Non, je ne voulais pas ajouter. Je vous dis pourquoi il ne va pas en Amérique ? Il ne mérite pas d'aller en Amérique ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'Amérique, il l'a pris dans ses bras. Et je vais vous raconter la première fois que je suis passé au Carnegie Hall. Oui. J'avais une chanson qui marchait très fort à l'époque. C'est un tube mondial. C'était Mon cœur d'attache. Je voulais la chanter en anglais.
J'ai dit, je vais les éclater en anglais, tout ça. Jusqu'à présent, je m'en rappelle, tellement elle est rentrée dans ma tête. Look at the sun. Why? Klaus never caught him. He'll soon be through. J'ai jamais pu la chanter, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès que j'ai commencé, when I go, tout le monde s'est marré, les musiciens sont tombés. J'ai dit, allez, j'ai compris, je la chante en français. J'ai jamais pu la chanter. Bon, allez, avant New York, il y a quand même toutes ces villes de France et de Belgique, peut-être aussi, non? Ah tiens, je vois pas de ville belge, là. C'est la gueule au belge? Non, surtout que je peux pas faire la gueule à Bénichou de Bruxelles. En plus de ça, dans mes spectacles... Non, dans mes spectacles... Il y a longtemps que je voulais faire sa connaissance, mais je savais pas que ça serait aussi hostile tout de suite. Jamais, non, au contraire. On peut leur dire quand même qu'on se connaît depuis quelques années. Oui, ben parce que toi, tu es Bénichou d'Alger, d'Oran. Et moi, je suis de Constantine, et puis on se connaît depuis... Mais ça fait rien, tu es de Constantine, ça fait rien. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est bien, Constantine. C'est bien, Constantine. Ils savent pas jouer au ballon là-bas, mais ça fait rien. Ils savent bien. Pourquoi il y a quelque chose entre Constantine mais non, entre toutes les villes d'Algérie. Ah oui, mais de toute façon, chez nous... Unis contre les Tunisiens, de toute là, façon. Vous allez fêter... là, on va fêter la fête des frères et des sœurs. Oui. Mais moi, vous êtes tous mes frères et mes sœurs. Ça va vous coûter cher en téléphone ce week-end. Allez, Enrico Macias à l'Olympia. Alors, on avait écouté évidemment les nouvelles chansons sur cet album formidable Orange d'Amer. La chanson qu'on entend en ce moment, c'est plutôt Mes Andalousies, il faut bien le dire. Est-ce qu'en live, ça change quelque chose, Isabelle Motro? Ça change parce qu'il y a une telle adéquation entre Enrico et son public, c'est extraordinaire. Quand le public chante avec vous, on sent que vous faites partie de son monde depuis toujours. Quoi. Je dois vous dire que quand j'ai du mal... J'emploie les laïlaïs à tout va. Pierre, hein? Je veux dire quelque chose sur Enrico, lui rendre cet hommage. C'est que les Pieds Noirs, il y avait des communautés, il y avait les Juifs, les Français, les Espagnols, les Maltais, les Italiens. Tout ça était un peuple qui ne se fréquentait pas beaucoup. Et quand il y a eu le drame de l'indépendance, il s'est mis à chanter comme ça et les gens se sont retrouvés en lui. Et il y a eu une sorte de fraternité entre tous ces peuples qui étaient simplement côte à côte. Et en fait, il a un rôle très important de fédérateur des Pieds Noirs. C'est pas pour ça qu'il faut que tu crois que... Bon, hein, est-ce que... Tout à l'heure, tu m'as dit que je suis de Constantine. Non, mais c'est Constantine. Normal que je sois le pont de toutes ces communautés. Ah, le pont suspendu. Parce qu'on du pont suspendu. Isabelle Allons, vous intervenez. Alors, ce que vous dites au sujet de votre public, je vais vous raconter une anecdote qui va vous prouver à quel point c'est vrai. Au début de votre carrière, je me souviens de la réaction de mes parents qui sont espagnols, pas du tout pieds noirs. Ils ont écouté, ils ont dit « Macias, Macias, c'est un espagnol ». Si, c'est un espagnol, ça s'entend tout de suite, la guitare, tout ça, il est espagnol. Ils se le sont approprié, alors que jamais vous avez dit que vous étiez espagnol. Si, donc, eux, c'est d'origine espagnole. Ben, lointaine. De toute façon, pratiquement tous les juifs d'Afrique du Nord sont d'origine d'Andalousie. C'est pour ça que je chante Andalousie. Vous tricotez les racines méditerranéennes très serrées, quoi, parce que tout ce qui est méditerranéen vous récupère à son bénéfice. Et c'est pour ça qu'au-delà des communautés algériennes, je crois que tout autour de la Méditerranée, on se récupère Enrico en disant « je te dis qu'il est de chez nous ». Mais elle doit le savoir. Mais je suis de chez vous. Elle doit le savoir, parce que tous ces juifs qui sont venus d'Espagne, ils ont été chassés par qui? Par Isabelle la catholique. Jean-Luc Lemoine. Quel réflexe. Bravo. Non, mais... Sur ta vie? Ah, sur ta vie, c'est ah bon, très bien. Jean-Luc. Bah, c'est un album vachement agréable parce qu'en plus, moi, j'aime bien les lives. Parce qu'il y a... Ce que j'aime, c'est le moment de flottement au début des morceaux, quand le public n'a pas encore reconnu le morceau. Et parce qu'il y a des nouveaux accords sur certaines chansons, et notamment sur Les gens du Nord. Dès que les gens reconnaissent, là, il y a une clameur qui monte dans la salle, et ça, c'est vachement agréable. Et ça marche à tous les coups. Moi, je me suis mis à chanter... Bon, sur Bétard à Wellwood, j'ai lâché l'affaire. Hein, parce que là, franchement, j'y arrivais pas. Moi, je suis meilleur sur scène qu'en studio. Parce qu'il me manque cette dimension du public, ce contact avec le public. Alors, qu'est-ce que je fais au studio? Là, mon fils, il m'a interdit cette fois-ci, mais avant, je faisais venir un maximum de copains dans le studio, que j'ai des gens qui m'écoutent, quoi, pas que ce soit... C'est ce que vient de dire Enrico. Celui qui vient de sortir, il est meilleur que celui que vous avez déjà acheté. Stevie.
Ben moi, j'aime beaucoup Enrico Macias. Pas forcément pour sa chanson, mais pour ce qu'il fait en dehors dans sa vie publique, tout simplement. Parce qu'il est, quand même ambassadeur de la paix pour l'ONU, désigné par Kofi Annan. C'est aussi celui qui réconcilie au Moyen-Orient les Juifs et les Arabes. Enfin, c'est quelqu'un, c'est vraiment le... Je vais y arriver. Non, mais c'est déjà énorme, parce que c'est pas des paris faciles. Et pour moi, c'est quelqu'un, c'est plus qu'un chanteur, c'est quelqu'un qui est réellement bon, quoi. C'est quelqu'un de cœur, c'est un roi de cœur, en fait. Mais vous donnez énormément d'amour. Et quand j'ai regardé quand j'ai écouté le CD, ça s'appelle... Oui, un CD. À 78 ans, peut-être, pour votre époque. Quand j'ai écouté le CD, eh bien, c'est pareil, il y a énormément d'amour donné et rendu par le public. C'est vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est alchimique, c'est une osmose totale avec le public, et c'est vraiment un beau moment de bonheur. Bon, moi, la chanson, je n'y adhère pas. Enfin, c'est pas du tout mon genre, parce que je suis plus punchy-punchy, mais... T'es punchy-punchy, toi. C'est punchy-punchy. Je te conseille d'acheter mon disque Enrico Experience, c'est vraiment punchy-punchy. Okay. Pas de problème. Thierry Cochin, qui n'a pas parlé. Alors, ce que je voulais dire à propos du disque, enfin, du CD, j'aime bien le côté live, en général, parce qu'il y a, il y a un contact direct avec le public, mais vous ne parlez pas du tout. Ah non, je parle, mais c'est ma maison de disques qui me coupe la parole. Et pourquoi? Eh bien, je sais pas. Mais c'est ça qui est charmant. Non, parce qu'ils préfèrent avoir que des chansons. Sinon, si on parle, ça fait trop long. Dis-moi, c'est-tu un employé, toi, ou t'es un artiste? Apporte-moi la maison de disques, à voir comment ils vont faire. Je parle énormément sur scène. Mais justement, j'imagine bien que vous devez parler... Mais ça les embête, les maisons de disques. Je raconte même des histoires. Mais c'est ça qui est génial. Ah, vous en avez une dernière? Ah, j'en ai une pas mal, ouais. Allez. Ah ouais, c'est Jacques qui se réveille un matin. Il dit, Rachel, ce soir, prépare-toi. Ce soir... Elle ne revient pas, ça faisait 10 ans qu'il ne l'avait pas touchée. 10 ans. Elle se dit, c'est un miracle qui vient de se produire, c'est pas possible. Il arrive à déjeuner, il dit, Rachel, n'oublie pas, ce soir. Elle dit, maintenant j'y crois. Ça fait 2 fois qu'il me le dit, maintenant j'y crois. Elle va chez le coiffeur, elle s'arrange et tout ça. Et le soir, au lieu de venir à 9h pour dîner, il vient à 7h30 du soir. 7h30, il s'assied. Rachel, sers-moi vite à manger. Parce que ce soir, et puis le dessert, dépêche-toi, parce que ce soir, l'homme de fer à la télé. Voilà. La dernière d'Enrico. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Elle est formidable. Elle est formidable, mais je ne sais pas si ça ne nous fait pas beaucoup de mal à nous, les rapatriés, ce genre de choses. Le CD, le DVD sortent le 17 novembre. Le 15 novembre, il est en concert au Zénith de Paris. Et si vous habitez à Hasbrouck, ah non, c'est passé ça, Istanbul. C'était Istanbul. C'est fini. Vous étiez à Istanbul? Oui, oui, oui. Vous êtes pas, c'était bien, Istanbul? Oui, Istanbul rouge. Ça doit être un bar. C'est pas un bar, c'est un restaurant où nous rencontrons souvent. Et des fois, je le laisse manger à ma table, il est très gentil. Le Zénith, j'ai dit 15 novembre. Alors après, attendez-vous. Amis de Tremblay, de Caen, de Rennes, de Marseille, de Laval, d'Orléans, de Tours, de Vichy, d'Agen, d'Arcachon, de Poissy, de Gennevilliers, de Toulouse, de Troyes, de Besançon, d'Evreux. And you, if you are in New York. Bientôt, vous allez applaudir Enrico Macias en tournée. Merci, Enrico. C'est moi qui vous remercie. Ça va vous rappeler quelqu'un, écoutez-moi bien, pour toi, public. Ce soir, nous allons recevoir un beau gosse, un aventurier, un gentleman, un amant exceptionnel qui connaît toutes les positions du Kama Sutra, un gros menteur surtout. Vous l'avez reconnu, c'est Franck Dubosc, il y a quelques jours est sorti le DVD, la VHS de son spectacle. Franck Dubosc au Zénith, je vous ai pas raconté. Un spectacle qui a fait un véritable carton. On lui a tout appris ici. Avant, il faisait des photocopies, était en stage. Et puis, petit à petit, bon, il a progressé. Testons ensemble Franck Dubosc. C'est vrai, hein?
Vous êtes arrivé ici en stage, vous faisiez des photocopies. Je ne vous écoutais pas, Laurent. J'étais derrière, comme les vedettes, à attendre. Non, ça y est, va me refaire son numéro. Non, j'ai commencé ici, j'écrivais vos textes, effectivement. Puis tout à coup, on m'a dit, l'émission ne décolle pas, il faut que t'arrêtes. Et vous avez commencé à les écrire vous-même. Ben oui, je vous remercie, Franck. Alors là, il y a une... Avant qu'on ne commence quoi que ce soit, Stevie. Ah. Je t'ai amené un euro. Je sais que tu es en manque. Tu fais attention. Pas un mot aux acédiques. Bon alors, Franck Dubosc, c'était le spectacle du Zénith qu'on retrouve en DVD maintenant. Alors, avec des tas de bonus, faut bien dire. Vous travaillez beaucoup quand vous sortez un DVD ou une vidéo, hein. Non, mais c'est-à-dire, en dehors de ce qui se passe sur scène... Pourquoi le reste du temps, je ne travaille pas. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais tendance, si je faisais un DVD de mon spectacle, j'en ai fait à dire, ben voilà, c'est mon DVD, c'est moi sur scène. Mais non, vous nous offrez des petits trucs en plus, beaucoup de trucs en plus. Oui, parce qu'en plus, ce spectacle-là, je l'avais déjà sorti une première fois. Donc quand je sors la version Zénith... Fallait pas ressortir le même. Voilà, donc celui-là fait 2 heures, le spectacle fait 2 heures, c'est pour ça qu'on l'a ressorti. 2 heures. C'est long, hein, sur scène, hein, on se fatigue à un moment. Et puis je me suis dit, je vais mettre des bonus, on m'a arrêté, parce que moi j'aurais tout mis, mes photos de vacances, mes films, mes machins. Et je me suis dit, on va déconner, et puis maintenant le DVD c'est ça, donc voilà, allez. Un extrait de ce DVD. Ah, on a des extraits ? Ouais, au Zénith. J'ai énormément fumé, je fumais 8 à 9 paquets de cigarettes par jour. Avec le papier autour, tout, je fumais tout. Et c'était terrifiant. J'allais en boîte de nuit, surtout s'il y a des enfants, ne faites jamais ça, jamais, pas une seule. J'allais en boîte de nuit, je buvais 4 à 5 bouteilles de whisky. C'était terrifiant, j'étais dans mon lit le matin, je me réveillais, le téléphone sonnait, j'avais la tête comme ça, là. Allô ? Ouais, c'est moi. Ouais, bonjour, ouais. Moi, je suis allé en boîte hier. Ouais, comment tu sais ? Et puis après, on est parti en fleurs. Franck Dubosc, au Zénith, le DVD. Alors, parmi les bonus, je voudrais que vous m'expliquiez un peu l'histoire du playback que vous faites, le fameux duo entre Fabienne Thibault et Richard Cosciante. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une rubrique dans le bonus qui s'appelle « Foutez-vous de ma gueule », que j'aime beaucoup, et qu'on m'a proposé. Mais non, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y a un moment dans le spectacle où je fais du playback sur le duo deux étrangers qui se rencontrent. Bon. Et un jour, mes techniciens m'ont dit « Mais tu sais que tu chantes pendant que tu fais le playback ?» Ah, j'ai dit « Bon, je croyais que je faisais que... » Et non, je chante. Ils m'ont dit, on va mettre ça sur le DVD, on va monter le son et on va entendre ta voix que le public n'entend pas, on va l'entendre sur le... Je sais pas, c'est compréhensible comme oui, je dis et là. Ça donne quoi, ça? Et ça donne, voilà, ça. Seul, là-haut dans cet hôtel de verre, ça commence comme un fait divers. Je t'ai offert le verre, j'ai allumé ta cigarette, l'alcool me montait à la tête. Les yeux dans les yeux, on a ouvert le feu. Y a 3 milliards d'humains sur Terre, et combien de cœurs solitaires, au coin de nous deux. Aïe, aïe, aïe. Ça non, mais... fait mal aux oreilles. Mais... Ah oui, il vaut mieux que ce soit du playback, hein. Mais le public n'entendait pas ça. Alors, bah heureusement. Alors... TV, vous connaissez Franck évidemment. Oui, je connais. Bah, moi j'ai regardé le DVD hier soir en mangeant et on a tous bien rigolé. Vous étiez nombreux. Oui, on était 3. Bon, vous avez dit qu'ils sont ensemble, ils sont beaucoup. Oh, foutez-lui la paix maintenant. Hein. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, quand on travaille, il faut déclarer le. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le spectacle, il fait un faux au revoir pour mieux revenir en force après et pour enfin terminer le show. Une fausse sortie. C'est-à-dire que ce que Stevie appelle un faux au revoir, c'est ce qu'on appelle un rappel dans le métier. C'est ce que mais toi, tu le fais comme un faux au revoir. Salut, c'est terminé. Oh, en fait, je vous ai pas dit. Et tu repars en vrai. J'ai l'impression qu'il y a un vrai litige sur la taille de ton zizi. Parce que j'ai lu dans la presse, non mais c'est vrai, j'ai lu dans la presse plein de trucs. Tu devrais lui dire vous. Moi je trouve que ce serait mieux la question. Non, parce que justement, elle est en train de beaucoup de choses à peine tutoyer, je crois. Alors, un journaliste de Libé dit que tu as une petite bite. Non, j'avais 20 ans là.
Je chaussais du 42, j'en chausse du 43, pour te dire... Un autre dit, je sais pas quoi, enfin, que des trucs comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir le fin mot de l'histoire? Bah, tu vas l'avoir, le fin, c'est peut-être le mot, mais le... Jean-Luc Lemoine. Moi, je connaissais pas le travail de Franck Dubosc. J'ai vu le DVD, c'est très impressionnant de voir tous ces gens, parce qu'il y a énormément de gens qui viennent vous voir, alors qu'ils pourraient venir me voir, moi. Non, je plaisante, je peux le dire ici, Franck est mon idole. Et quand j'étais enfant, je voulais être comme lui, parce que je suis beaucoup plus jeune quand même. Et je voulais te demander, Franck, un de tes rêves, c'était de faire l'Olympia, tu l'as fait, hein, Kikito, de faire le Zénith. Tu donnes ta voix à un dessin animé qui a fait un carton cet été. On sait qu'à Hollywood, il y a un film qui est en préparation sur ta vie, c'est Robert De Niro qui va jouer ton rôle. Oui, si je veux. Tu as réussi à quitter On a tout essayé, comment t'as fait? Bientôt un film tourné et réalisé par Marianne Chazelle. Je tourne en ce moment, oui. Avec Pierre Palmade. Au secours, j'ai 30 ans. Oui. Mais c'est vous? Non, c'est pas moi. Mais Pierre, oui. Excuse-moi. C'est Pierre Palmade qui a 30 ans. Mais moi, j'ai pas 30 ans. Et vous jouez quoi dans le film? Un garçon de 25. Oh. Est-ce que vous êtes séducteur? Parce qu'au départ, ce rôle de séducteur, vous le disiez dans toutes les interviews, nous l'avez raconté, c'était pas vrai dans la vie, ça marchait pas aussi bien. Mais maintenant qu'il y a le succès, quand même, ça doit être beaucoup plus facile. En gros, est-ce que ça ramasse ? Non, parce que je suis redevenu assez lourd quand même. Et non, ce qu'il faut, c'est aimer. Puis c'est pas l'humour qui fait qu'on ramasse plus. C'est toujours faux cul, donc hein, bon, y a pas fait. Mais pas du tout. Alors attendez, depuis que vous êtes parti, il y a eu du changement dans cette émission. Mais, Laurent, je suis parti, mais je vis encore la moitié du temps en France et à Los Angeles. Donc, bien vous sûr, regardez l'émission. Mais je regarde l'émission. Vous connaissez l'appel à un ami? L'appel à un ami. Oui, mais je ne connais pas d'amis. Si, parce que on va tenter un petit canular avec vous. Nous, on fait comme si on n'était pas là. Comme vous avez quand même un rôle de séducteur, faut bien le dire. On a choisi quelqu'un dans l'équipe qu'on ne voit plus non plus depuis la rentrée. C'est Maureen Dor. Mmh. Vous allez appeler Maureen et vous allez lui dire, écoute Maureen, maintenant qu'on ne travaille plus ensemble, je voudrais te dire, je craque pour toi, j'aimerais bien qu'on se voit. Très drôle. Qui se passe. On va voir comment elle réagit. Vous êtes d'accord? On le tente? Ah, génial. C'est pas... Mais sérieusement, attends, hein. Ah, mais j'ai envie de rire aussi. Sérieusement, non, faut pas rire. Attention, c'est parti. Attends, j'ai envie de rire. Attendez. Fais le numéro. Attendez, j'ai envie de rire. Ça y est. Allô? Allô, Maureen? Ouais. Ouais, salut, c'est Franck Dubosc. Ah, salut, ça va? Comment tu vas? Bien, merci, et toi? Bah bien, je te passe un petit coup de fil comme ça. Ah, c'est gentil, c'est adorable. Qu'est-ce que tu veux? Je te vois plus, on a tout essayé. Bah non, je suis grosse. C'est pas vrai, t'es enceinte? Je savais pas. Ah ben non, mais je t'appelais justement pour qu'on se voit, qu'on bouffe un petit truc ensemble. Ah, c'est gentil, merci, mais bah, tu sais, être enceinte, on n'est pas malade, hein, je peux aller bouffer avec toi. Donc on aille bouffer tous les deux? Ah oui, pourquoi pas, oui, ça me... oui, c'est sympa. Ouais. Avec plaisir. Demain soir, je suis libre, si t'es libre, on peut dîner ensemble, et éventuellement après, faire l'amour. Oui, d'accord, Franck, tu veux tenter une nouvelle expérience, avec une femme enceinte. Ça te fait rire? Je dois le prendre sérieusement, peut-être. Ben non, mais parce que je vais te dire, franchement, j'osais pas... ça fait un petit moment que je voulais t'appeler, puis j'osais pas le faire, parce que... bah parce que j'ai un truc à te dire quand on va se voir. Mais quoi? C'est un petit peu difficile à dire comme ça au téléphone. Je préférais te le dire en face, quoi. C'est la pire des choses de dire à quelqu'un, au fait, il faut que je te parle. Moi, ça m'angoisse, c'est terrifiant. Ben, si tu veux pas attendre, voilà, c'est je craque complètement pour toi, et puis je voudrais bien que ce bébé, que ce soit moi qui l'élève, quoi. T'es con, arrête. Tu craques pour moi. Il n'y a vraiment plus aucune femme qui veut de toi, ou quoi? Non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que je cherche pas ailleurs, parce que ça fait un petit moment que je me dis que, il faut que je t'appelle, puis j'hésitais, puis là, je me suis dit, allez, Franck, passe le pas, vas-y. Non, mais attends, tu fous de ma gueule ou quoi? C'est ça le problème, c'est que j'étais sûr que tu penserais que je me fous de ta gueule, quoi, que ça serait pas sérieux. Non, mais attends, on dit pas les choses comme ça, on dit pas des choses à la légère comme ça, parce que si ça se trouve, tu vois. C'est perturbant, quoi. Parce que si tu te fous de ma gueule, c'est pas gentil, parce que moi aussi, je. Enfin, tu vois, à un moment donné, je trouvais qu'on s'entendait bien, et puis. Voilà, quoi, donc. Si pour se foutre de ma gueule, non, je trouve pas ça. Je trouve pas ça super, quoi. Bon, alors attends, écoute... Allez, elle est au courant, je peux vous le dire maintenant. Ça valisait autour de la table.
Elle a bien joué le jeu, bravo. On voit que Maureen est vraiment bonne comédienne. Maureen. Oui. Le pire, c'est que maintenant, il n'y a personne qui va croire. Tout le monde va penser que j'essaie de te sauver. Maureen, une cochonne. Nous avons la preuve, on a l'enregistrement, on a prévenu Maureen. Tu diras, je suis désolé à Jérôme. Hein. Maureen, comment on peut prouver que vous étiez au courant maintenant? Mais j'ai te mis au courant de quoi? Alors elle est bonne. Voilà, c'est la meilleure façon de... On t'embrasse, Maureen. Bisous, salut, Maureen. Et quand Franck, tu n'es pas vraiment amoureux de moi? Je t'appelle. C'est pour quand, le bébé? C'est pour dans un mois et demi. Le premier, je te l'avais fait accoucher, hein. C'est vrai. Tu sais, t'es venu au spectacle accoucher après. Ah oui, à partir, je vous préviens, à partir du 5 décembre, quiconque a une très bonne pièce où on rigole beaucoup, faut me le dire, parce que je veux accoucher avant terme. Allez, on vous embrasse, à très bientôt, à très vite, Maureen Dor. Je me suis dit merde, j'avais pas vu l'ouverture. Il y a un extrait d'un film qui a fait un carton aux États-Unis, plus qu'un carton. C'est un des 10 films les plus vus au monde. Le 7e film le plus vu au monde. Le 7e film le plus vu au monde. Et le premier dessin animé. Et le premier dessin animé. Et vous faites une voix dans la version française, la voix presque du héros, en fait. La voix du héros et du papa. Du papa de Nemo. Le papa de Nemo, qui est le poisson, qui, le poisson papa qui cherche son petit garçon. Son petit garçon. Son petit poisson garçon. Et faites la voix du poisson papa, extrait de Nemo, un film qui a battu des records aux États-Unis et partout dans le monde et qui arrive chez nous très bientôt. Walt Disney Pictures présente un film des studios Pixar. On va l'aider à s'évader. Tiens bon, Nemo, tiens bon! Ton père a affronté tout l'océan pour te retrouver. J'arrive, Nemo! Moi, j'ai jamais connu mon père! L'heure aura un chapitre. Bien. Je me sens pas très bien. Hé, t'es gentil, tu gères pas sans ma carapace. Il faut le voir. À l'abordage! Pour le croire. Élégant. Le monde de Nemo. Chez vous! Le monde de Nemo, ça sort le 26 novembre, très bientôt. Franck Dubosc, il y a plein d'événements dans votre vie. Hein. Le DVD, VHS du spectacle, je ne vous ai pas raconté. La voix du papa de Nemo dans ce dessin qu'on attend pour le 26 novembre. Et bientôt. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Attendez! Posez le gâteau. Alors, on va expliquer. Il y a deux choses à signaler, Perry. Outre l'anniversaire de Franck Dubosc, c'est aussi l'anniversaire de notre réalisateur Serge Calfon. Alors, pour les deux, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous pouvez venir, Serge Calfon. Joyeux anniversaire. Vous allez faire un, brûler chacun une bougie. Ils ont 50 ans à eux deux. À eux deux. Ah, à nous deux. Ce que je voyais, 50. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau. Ouais. Allez. Allez, reçu. Alors, attention, allez-y tous les deux. 1, 2, 3. Bon anniversaire, Serge. Alors, juste un petit détail. Donc cette partie n'est pas filmée puisque le réalisateur est parti. Voilà, exactement. Il si, y a quelqu'un, le truquiste a pris les manettes. D'accord. À la place, il faut rien, le réalisateur pense non. Alors, Franck nous raconte depuis des années qu'il fait un gâteau magnifiquement bien. Quoi? Mais oui. T'es à la télé, tu dois parler, vas-y. Pastella, pâte et Nutella. Pâte et Nutella. C'est pour toi, Franck. Oh non, tu vas pas me faire bouffer ça. Et si. Je le fais, je le mange pas. Ah si, si, si. Si, si, si. Allons-y. Non. Alors attends, ça se fait tout seul. Ah, alors je te laisse faire. Est-ce que vous pouvez compter jusqu'à 3 et je mange mon gâteau? Oui. 1, 2, 3. Quelle horreur. Vous restez avec nous pour le tac à finir, la DVD de Franck Dubosc. Aux élites. On peut peut-être rester comme ça pendant le tac à finir. Dominique Strauss-Kahn. J'ai un peu bronzé. Oui, c'est très bien. On a l'impression que vous revenez de la croisière grecque là sur le bateau. Exactement.
C'est quoi? C'est exactement. Je... Ça vous suffit toujours pas l'actualité. Ah non, toujours pas. Ça n'a pas changé. Hein. Ah non, non, non. Il y a un bateau, ils sont 400 à voir la chiasse, il n'y a aucun pays qui veut les accueillir depuis 3 jours. Ah oui? On croirait que vous en sortez. Dominique Strauss-Kahn a déclaré Besancenot, Laguillé, c'est l'union de quoi? Il faut compléter la phrase. Bah, des gens qui ont la chiasse. Non. Besancenot, voilà, j'avais trouvé un truc ce matin, c'était l'union de la peste et du choléra. Ah, c'est bien ça. Mais c'est pas ça. Raffiné. Mais dans ça, le... c'est dans le même genre ce qu'a dit Strauss-Kahn. L'union de... Du timbre et de la grippe. Ah, et ben presque. Alors voilà, on se rapproche. Alors timbre et quoi? L'enveloppe et le papier. Non, l'union... Timbre et de, du timbre et de... Et du tampon. Non, lui... Bah pour la guille... Il est quoi, Besancenot? Lui, il est... Facteur. 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 Oui, facteur... Postier. Postier, parfait. L'union d'un postier avec... Une banquière. Non. Oh, pas banquière. Vous l'avez dit tout à l'heure, là. Vous avez dit le mot. Oui, mais là, je me fais pardon, un petit peu timbrée. Une timbrée, bravo, non. Jean-Luc Lemoine. L'union d'un postier et d'une timbrée. Voilà ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn. C'est dans le Canard enchaîné ce matin. Elle est pas bien, Dominique Strauss-Kahn, j'aime pas ça. C'est un monsieur. Je sais que vous l'avez fait exprès. Mais la première fois que je l'ai fait, je sais que vous l'avez fait exprès, mais la première fois que vous l'avez fait il y a 2 ou 3 ans dans cette émission. Je l'avais pas fait exprès. Puis après, on a pris Stevie. Alors. Jean-Louis Borloo a déclaré Jacques Chirac est le plus grand. Le grand président. Président, on a un mot. Le plus grand président, il manque un adjectif. De France. Vivant. Le plus grand président français. Vivant. Vivant, contemporain. Bravo, Isabelle Alonso. Ça imite en même temps. Hein. Alors, c'est non seulement stupide, mais en plus, contemporain, ça ne veut pas dire vivant. Non, exactement. Parce que De Gaulle est un contemporain. Oui, bah, c'est vrai. Le jour où t'auras une phrase. Voilà une phrase absolument stupide. Pierre, le jour où t'auras une phrase dans le tac à finir. On en reparlera. D'accord. Demain, il faut lui en mettre une. Allez, on s'arrête là-dessus. On va remercier Franck Dubosc. Le DVD, il est en vente déjà, oui? Oui. Ben oui. Oh, il est en vente. Il est vendu. Il se vend. C'est la cassette du mois. C'est... Depuis le 22 octobre. Il en reste encore quelques-uns. Il en reste encore quelques-unes, bien entendu. Bien entendu. Je vous ai pas raconté, Franck Dubosc, au Zénith, des tas de bonus, 2 heures de spectacle. C'est dans la collection Label Humour. Oui. Merci Franck. À bientôt sur les écrans par l'intermédiaire du petit poisson. Voilà. Tout à fait. Papa de Nemo. Voilà. Et puis en septembre au Bataclan pour le prochain spectacle. Ah, c'est déjà programmé? Ah, ben oui, je suis déjà en train de l'écrire, j'ai presque fini, mon Laurent. Il faut que vous vous nettoyiez, hein, parce que vous avez encore de la merde dans les sourcils. Au revoir, Franck. À demain.